Oui. Mais comme il va être. Dans mes performances, il n'est pas vraiment clair ce qui provoque quoi. Où se trouve l'agence? Ne pas entre les entités clairement distinctes, mais venant de l'intérieur d'un tout, où les conditions du serveur, les ordinateurs individuels, les différentes webcams et périphériques sonores, ainsi que les voix et les images, des co-performeurs, les conditions d'éclairage local et les situations familiales sont toujours enchevêtrées dans ce que Karen Barat appellerait un phénomène. L'interaction, en opposition à interaction, un néologisme introduit par Barat, représente un profond tournant conceptuel dans les métaphysiques individualistes. Pour Barat, les choses et les objets ne précèdent pas leur interaction, mais plutôt les objets émergent à travers les intra-actions particulières. Nous discuterons de l'intra-action, un terme qui nous vient de la physicienne féministe Karen Barad. Barad décrit l'intra-action comme une constitution mutuelle de agencies enchevêtrées. Et qu'est-ce que c'est l'agency? Simplement, nous pouvons le comprendre, cette agency, comme la capacité d'agir. Alors, en d'autres termes, l'intra-action est le mélange des capacités à agir, des gens, des choses, des autres, des substances. Et cela ressemble à l'interaction, n'est-ce pas? Mais bon, ce n'est pas la même chose. J'étais assez à l'aise, donc ça fait pas complètement, mais quand même. Super, merci. On a fait l'entrée comme ça. Est-ce qu'il y a